demeurer figé sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de demeurer figé sous les ailes de l'Éternel. Moi, j'ai envie de demeurer figé sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Après avoir marché dans un monde corrompu, essuyé, après avoir entendu, après avoir vu des choses qui ont sué mon âme, après avoir pensé à des choses que tu n'as pas aimées, oh, oh mon Dieu, oh, j'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Comme l'enfant prodigue, j'ai dû passer longtemps en dehors du palais. Papa, d'où je viens, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. J'ai commencé même à manger avec des porcs dans la porcherie. J'ai commencé même à entendre les mauvais témoignages des bien-aimés. J'ai commencé même à commenter les mauvais témoignages des mes amis. Papa, d'où je viens, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. Comme Esaïe dans ta présence, Seigneur, je vis parmi un peuple qui est impur. Envoie les séraphins volants avec une pierre ardente qu'il a ramassée sous l'autel. Il touchera mes lèvres, ha! Cela ôtera tout mon péché. Quand tu diras qui en verrai-je, je répondrai, me voici, eh, envoie-moi, oh, j'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier, oh, sous les ailes de l'Éternel. Oh, eh, oh. Eh, oh. Je suis allé, j'ai flirté avec le monde, le peuple que Dieu m'avait donné de détruire. Aujourd'hui, ils ont su détruire mes yeux, ma position de rétrograde me donne une place à la croix de Jésus. Ma position de rétrograde fait de moi un amoureux de Dieu. Ma position de rétrograde fait de Dieu un amoureux de moi. Je pense au premier jour quand je suis allé dans les eaux du baptême. C'est vrai, dans ma marche, l'empêchement m'a saisi mon cœur. Oui, dans ma marche, ma vie, comme l'aigle, je viens frapper ma tête sur le rocher des sages et donne-moi la force. J'ai envie de me réveiller.
quelqu'un qui veut se réfugier comme moi sous les ailes de l'Éternel ce matin. Yeah, oh, oh. Autrefois l'homme était chassé de l'Éden. L'Éternel avait placé des chérubins avec des épées flamboyantes dans leurs mains pour empêcher à l'homme de retourner en Éden et communier avec son Dieu. Je dis bien autrefois, j'ai bien dit autrefois, mais aujourd'hui moi je sais, cette épée a été donnée à un homme. Aujourd'hui moi je sais, cette paix a été donnée à un homme. Là où Sabine n'a connu, non, 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 non. Cette paix a été donnée à un homme. Il pensait que c'était l'épée d'un roi. Non, non, non. On lui a dit que c'est l'épée du roi. Un homme. Cette paix qui tuait hier est devenue la houlette du berger qui me ramène. Cette paix qui était dangereuse, aujourd'hui elle est protectrice. Cette paix qui était dangereuse, aujourd'hui elle est ma protection. Ainsi laisse-moi me réfugier là-haut. Je veux me réfugier là-haut. J'ai envie de me qu'on peut acclamer le Seigneur. C'était merveilleux.